Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue à Nyans Reborn. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. Nous étions dans Apocalypse 7 hier. Aujourd'hui, nous passons tout simplement à Apocalypse 8. Que va-t-il se passer? Nous en saurons par la suite. En dessous de cette vidéo, c'est tout, s'abonner, cliquez là-dessus, activez la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo. Go! Alors, que va nous dire Jean ou que va-t-il recevoir de Dieu? Alors, c'est tout simplement l'Apocalypse pour savoir cela. Au niveau 1, Apocalypse 8, prenez votre Bible s'il vous plaît. Quand il ouvrit le septième sceau, ça veut dire qu'il y a des sceaux qui l'ont précédé. C'est pourquoi je vous demande de venir sur Union Reborn pour regarder les vidéos qui s'y trouvent. Il y a plein de vidéos qui ont été postées aujourd'hui. Rien que pour vous. Regardez. Excellent. Regardez les vidéos qui ont précédé. Ok? Et vous serez au parfum de ce que nous faisons. Que s'est-il passé? Que va-t-il se passer dans le septième sceau? Allons-y plus loin. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Waouh! C'est excellent. Que va-t-il se passer? Pourquoi? Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Et cette trompette leur fut donnée. Ah là 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 là. Ah là 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 là. C'est un passage qui est vraiment très révélateur. Quand le Seigneur invoque les sept anges, c'est que ce qui va suivre, c'est pas beau. Hein? Allons-y voir. Allons ensemble voir. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Ayant de l'encensoir, encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints. De la main de l'ange avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Ça, c'est le premier ange. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, c'est chaud. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Et le septième ange, qui avait les sept trompettes, se préparèrent à en sonner. Le second ange, c'est-à-dire le deuxième ange maintenant, parmi les sept, sonna de la trompette lui aussi. Et quelque chose comme une montagne embrasée par le feu, ici, par le feu, fut jetée dans la mer. Là, c'est sur la mer. Que va-t-il se passer? Waouh! Le premier a jeté du feu sur la terre. Le second va jeter quelque chose du feu encore dans la mer. On dit une grande montagne embrasée par le feu dans la mer. Que va-t-il se passer par la suite? Et le tiers de la terre, le tiers de la mer devint du sang. Ah, on dit, et le tiers de la mer devient du sang. Ça veut dire qu'il y a eu des morts entre nous. Ça veut dire que le tiers des êtres vivants qui se trouvent dans la mer sont morts. Ce n'est vraiment pas positif pour nous. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Ah, c'est exactement ce que je disais. Et le tiers des navires périt. Waouh! Ça veut dire que tous les bateaux qui vont se trouver sur la mer, les mers en ce moment-là, ou sur la mer en ce moment-là, ah, qui seront touchés par ce fléau, vont tous périr. Je vous ai dit au départ que l'ouverture de ces sceaux, ce n'est pas bon pour nous. C'est pas bon signe. Quand on voit sept anges, ah, c'est pas bon signe. Le troisième ange qui va maintenant sonner sa trompette. Que va-t-il se passer? On voit qu'au fur et à mesure qu'on avance,
la catastrophe devient importante. Ouais. Et il tomba. Quand le troisième ange va maintenant sonner de la trompette, quand il a sonné de la trompette, il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Une étoile. Et elle tomba sur la terre, sur le tiers plutôt, des fleuves et sur les sources d'eau. Waouh! Le nom de cette étoile est absinthe. Waouh! Comment tout s'est passé? Et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Mais si le tiers des eaux sont devenues amères, c'est pas bon signe, hein? Et qu'est-ce qui va-t-il se passer? On dit que le tiers, on dit que beaucoup d'hommes ici, beaucoup d'hommes moururent par les eaux à cause de ce fléau-là, c'est-à-dire à cause de ce qui est tombé dans l'eau, c'est-à-dire cette étoile absinthe, ça a vraiment occasionné des dégâts encore atroces qui a touché encore qui les hommes. Ouais, mais ce sont les hommes qui sont concernés par ces choses. Hein. C'est un truc de ouf, hein. Bon, c'est un truc extra bizarre. C'est un truc de. C'est pas bon, même. Le quatrième ange sonna de la trompette. Là, maintenant, c'est le quatrième ange qui a sonné de la trompette. Que va-t-il se passer, mes frères? Je vous laisse imaginer. Quand il a sonné la trompette et le tiers du soleil fut frappé, le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté et la nuit de même. Mais, ah, que se passe-t-il? Mes frères et sœurs, mon ami, mon frère, ma sœur, ne te pose pas trop de questions. Nous sommes dans l'Apocalypse. Et ça, ce sont les choses qui vont venir et qui doivent venir, mes frères et sœurs. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour ne pas être touché par ces fléaux. C'est pourquoi je vous ai demandé de vous abonner à cette vidéo, activer la cloche, parce que nous travaillons ces temps-ci activement pour vous réveiller les yeux, pour apporter le réveil spirituel. Je veux que tout le monde se réveille aujourd'hui. Que va-t-il se passer par la suite? Je regardais, j'entendis un aigle qui volait ici, au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur une fois, malheur deux fois, malheur trois fois. Quand vous voyez qu'il y a plusieurs fois, jusqu'à même trois fois, vous entendez ça, c'est que ce qui va suivre, c'est pas bon. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des eaux sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible ce qui va se passer. C'est terrible, hein? Regardez, depuis le début, je vous ai dit que dès que on voit déjà sept anges qui tiennent de la trompette qui se positionnent là dans le ciel, c'est que ce qui va suivre, ce n'est pas bon. Et c'est dans l'Apocalypse 8 que nous sommes. Que va-t-il se passer dans l'Apocalypse 9 alors? C'est pourquoi je vous ai demandé au départ de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, même en-dessous de cette vidéo, c'est possible. Abonnez-vous, activez la cloche. Regardez, regardez. Plein de vos camarades se sont déjà abonnés. Et ils sont prêts pour Apocalypse 8. Plutôt, pour Apocalypse 9. Vous voyez, bien évidemment, ils étaient prêts pour Apocalypse. Ils sont toujours prêts, ils sont en train de regarder en ce moment. Mais, waouh! Mais, regardez. Tellement ces choses sont graves. Nous préparons l'esprit de chacun à ces événements en postant toutes ces vidéos. Toutes ces vidéos que vous voyez ici
surtout si où Sunia se borne. Yaya se borne 2 également, où il y a d'autres vidéos, mais là-bas, la différence, Sunia se borne 2 et Yaya se borne 1, premier du nom qui est ici, c'est que là-bas, c'est une mise en application de tout ce que nous sommes en train de vous dire ici. Là, vous voyez, quelquefois ici, nous faisons une mise en situation, ou encore nous faisons comme ça des faits solides, où nous vous montrons des exemples, ok, de tout ce que nous vous disions. Pour vous dire que tout ce qui va venir dans l'Apocalypse que nous venons de lire, ce n'est pas faux, c'est vrai. Et il y a plein de choses qu'on t'a annoncées qui ont déjà commencé à s'accomplir. Je veux que vous soyez au parfum de ce qui va se passer par la suite. Alors abonnez-vous et préparez-vous pour Apocalypse chapitre 9. Vous pouvez commencer déjà à lire Apocalypse chapitre 9 jusqu'à ce qu'on se retrouve demain. Parce que là, ça va être chaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre, c'est lui qui va vous délivrer. C'est le seul qui va vous sauver, vous protéger et vous amener tout à sa gloire. A bientôt pour Apocalypse 9, le curieux. Abonnez-vous maintenant parce que ça va être chaud. Que Jésus bénisse, qui vous protège. A bientôt.